Commissariat du 20e. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai des squatteurs chez moi. Vous voulez dire qu'ils sont chez eux? Non. Chez moi? Bah maintenant je peux vous dire qu'ils sont chez eux. Non, mais vous comprenez pas. Je vous dis que j'ai des squatteurs qui sont installés depuis 3 jours chez moi illégalement. Non. En France, monsieur, hein, si des squatteurs s'installent chez vous, bah ils sont chez eux. C'est mon appartement et il y a des gens qui vivent dedans sans autorisation, donc moi je me retrouve à la rue. Ça va être compliqué votre histoire. Mais compliqué de quoi? Je vous dis qu'il y a des gens qui vivent illégalement chez moi. Vous venez les déloger et puis on en parle plus. Bon, écoutez, monsieur, on est en France ici. Et alors? Bah, en France, la loi autorise les gens à s'installer chez d'autres gens sans autorisation et puis si ça fait plus de 48 heures qu'ils occupent les lieux, bah la police peut plus rien faire. Vous foutez de moi? Ah non, monsieur. Mais ça sert à quoi d'avoir des biens immobiliers s'il suffit de péter une serrure pour s'installer chez les gens? Alors, je vous avoue, sur ce sujet, c'est un beau bordel. Même nous, on n'est pas... Mais vous rendez compte que là, je me retrouve à la rue juste parce qu'il y a des squatteurs qui m'empêchent de rentrer chez moi? Chez eux, monsieur, chez eux. Je veux pas m'insister parce que c'est important pour la suite. Mais c'est quoi cette merde? Ah bah ça, c'est comme ça. Hein. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Alors, faut faire une demande de délogement au juge, mais je vais pas vous mentir, ça va prendre des mois. Mais vas-y. Et si j'y vais moi avec des potes et qu'on les déloge à la matraque? Ah là, on vous arrête, monsieur, on frappe pas les gens. Je vais l'enculer. Alors? Bah il a raccroché.